Shalom, shalom. Dans la vie, il ne faut jamais dire ou jurer sur quelque chose, soit disant que je ne ferai ça jamais. Je ne peux jamais faire ça, je ne peux jamais aller là-bas. Non. Parce que la vie ou la nature réserve beaucoup de surprises. Oui, beaucoup de surprises pour l'homme que l'homme ne peut jamais comprendre. Tu es un être humain et tu ne peux être conscient de tout ce que tu fais. Tu es un être humain, tu ne peux pas définir la définition de ta vie. Nous pouvons avoir les verbes. La conjugaison, c'est une chose à déchiffrer, mais pas certains futurs. La vie nous réserve beaucoup de surprises, parce que c'est ce que tu as dit que tu ne feras jamais, qu'un jour la nature va te pousser à faire. C'est ce que tu as détesté le plus, le pays que tu as détesté le plus, soi-disant, mon fils ne va jamais se marier là-bas, ma fille ne va jamais se marier là-bas. Si tu ne sais pas faire, c'est ce qui va t'arriver. Laisse Dieu gérer ton destin. Laisse Dieu gérer ton avenir. Raison pour laquelle Jésus nous a parlé de l'amour. N'est-il pas beau? Parce que l'amour comprend tout, l'amour aime tout, l'amour pardonne tout. L'amour respire tout. L'amour est tout. Donc avec l'amour, nous pouvons comprendre de l'eau fraîche dans l'eau chaude. Nous pouvons distinguer, nous pouvons discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que l'amour ne va jamais t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Mais l'amour va juste te le présenter, tu vas le faire avec amour. Mais si tu ne le fais pas, l'amour ne va jamais te condamner. Mais lorsque vous dites que je ne ferai jamais, vous créez l'astomophée de la haine dans votre cœur. L'astomophée de la haine qu'on appelle la tentation, qui va vous pousser à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Parce qu'il y a des choses, et c'est ça que vous devez faire pour pouvoir évoluer. Mais les malins vont vous pousser à jurer, à dire des choses que vous ne pouviez pas dire, vous ne devez pas dire, des choses que vous ne devez pas prononcer, des paroles, c'est-à-dire des choses que vous ne devez même pas, vous n'avez pas le droit de dire, je ne pourrai jamais. Or, c'est dans votre destin à le faire. Sans ça, vous ne pouviez pas évoluer. Mais la nature, on ne la défie jamais. Ne défie jamais la nature. Ne défie jamais aussi ta propre vie. Ne défie jamais qui que ce soit, quoi que ce soit. Raison pour laquelle le Seigneur dit, il ne faut pas juger. Ne jugez pas. Il faut l'aimer comme il est. Chacun a sa vie, chacun a sa culture. Chacun aime ce qu'il fait. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour lui. Si ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas à toi de parler, ce n'est pas à toi de juger non plus. C'est Dieu seul qui peut parler. S'il te plaît, il faut que tu arrêtes ça, quoi. Nabrouk Bédi, je jure, si vous m'avez jamais vu, si je suis jamais passé par là, si jamais, s'il est mort, je suis parti à son enterrement, si jamais je lui ai dit bonjour dans ma vie, wallahi bilahi. Non, 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 non. C'est faux. Ne dis jamais, il ne faut plus jamais dire ça. Parce que la vie a plein de surprises qui pourraient nous arriver à chaque moment, à chaque seconde. Ndoroué, j'en ai dit plus que toi, hein. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses, mon frère. Tout simplement, dis-le avec amour, Seigneur. Pardonne-moi, aide-moi à ne pas commettre cette erreur devant. Ça, c'est bon. Mais basé sur tes propres forces, sur ta propre force, sur tes propres décisions, sur tes propres intelligences, pour dire que jamais moi, tu mens. Tu peux me dire, non, ça c'est toi. Écris la date d'aujourd'hui et tu vas me dire la vérité. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois, bien sûr. Shalom.